Oui, il est midi moins le quart. Ça va bien, là on est au frais. Ce que je me dis, c'est qu'en fait, je vais devoir monter jusqu'à là-haut. Voilà. Donc, à mon avis, le chemin, il rejoint les petites forêts qui sont là-haut, parce qu'après, c'est le plateau. Donc, je vais sûrement manger avant une petite croûte. Voilà, quand je vous ai dit que ça montait, ça montait. Mais ça commence à être vraiment joli, à part ces voitures en bas qui commencent à faire beaucoup de bruit. Mais je devrais les quitter bientôt. Voilà, la vue avec en face l'Allemagne. Bon, ben, je me demandais où j'allais manger, et voilà. Il y a des gens qui pensent aux autres ici. Très sympa. On va se prendre un petit sandwich et puis se poser. Bon, c'est la petite pause repas. Quand même très joli ce petit étang. Des vergers. Et puis aussi un copain qui est venu. Voilà. Je manie pas encore très bien cette caméra. Voilà. Comment tu t'appelles? Hein? Comment il s'appelle ce chien? Gros bouvier. Sentimental. Voilà, on est à peu près à 1 heure de Saint-Gall. C'est très très calme ici. On entend, bon, il y a des voitures au loin, mais c'est vraiment très très bucolique. La forêt, comme j'aime. Et puis un petit chemin qui est là, cette fois-ci descend, ça me change un peu parce que ça a été quasiment tout le temps de la montée depuis tout à l'heure. Bon, s'il y a une descente, il y aura de toute façon une montée après. Bon, bah, petit obstacle majeur, je crois qu'il va falloir passer par-dessus, on n'a pas le choix, hein. Alors on va le faire. Bon, les dernières images du lac, parce que je pense qu'après je vais passer de l'autre côté de cette forêt. C'est ce que j'avais dit ce matin. Gentiment, on y arrive. On y arrive bien encore assez frais. Et encore ça monte, mais je me suis habitué. Donc je vois plus tellement la différence maintenant. Et puis il y a toujours ce soleil qui alterne avec les nuages, c'est pas désagréable. Des fois ça met un peu un coup de chaud, des fois un peu un coup de froid, faut quand même se gaffer, mais ça va. Salut les copines! Oh, on est bien ici, hein? C'est joli! Très magnifique! La charrette derrière, je crois qu'elle est toujours là. Et puis devant nous, on a encore quelques petits chemins. À travers la ville, sur les hauts de la ville. Je pense que je vais redescendre vers le centre. En tout cas, c'est très calme. Bon, on est dimanche, hein. Et j'ai déjà fait Compostelle avec mon frère il y a 5 ans, j'ai terminé. Mais on a vécu une expérience tellement extraordinaire que j'en ai beaucoup parlé à Ghislaine. Et puis elle m'a dit, ça me donne envie de... J'ai dit, ben écoute, on va commencer par faire le bout suisse que je connais pas ou pas beaucoup. Et puis après, on verra si tu as du plaisir, ouais. Eh bien on essaiera de poursuivre. Plus ouais. Ah, puis Ghislaine, ouais. Alors elle porte le sac à dos. Je poursuivrai avec un sac à roulettes. Je viens de Oberhünigen. Ah, dis donc, faut voir comment elle dit ça. C'est hein. Où ça? Oberhünigen. Oberhünigen. C'est en Allemagne.
Oui, c'est aussi Carême. Simon. Oui, C'est c'est un aussi. emmental. C'est Ah. Tivy Konolfingen. Ça, on connaît encore un peu. Konolfingen. Oui, je Konolfingen. connais. Ouais. Emmental suisse? Non? Oui. Oui, 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 Ah, oui, 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 oui. oui. C'est dans le canton de Berne. Voilà. Oui, Ouais. c'est mon origine. Ah! Oui. Tu venais d'où? Troub. Stroub. Troub. Stroub. Bien, bonjour à tous. Ce matin, c'est un peu plus gris qu'hier. Je crois qu'il va falloir quand même que je droppe un peu pour rejoindre un camping. Voilà. Donc, Saint-Gall sous le gris, avec en perspective quand même quelques kilomètres sur le goudron. Voilà, on est au centre de Saint-Gall. Il fait 400 degrés, c'est pas très chaud, mais. C'est quand même, il n'y a pas de vent, donc c'est tout à fait supportable. La ville est très calme. Comme on est quand même sur le chemin de Compostelle, moi je suis le Saint-Gall-Orvègue, mais la route aussi parallèle, c'est celle de Compostelle. Je vais vous gratiner quand même quelques églises à regarder. Alors la première, c'est la cathédrale qui est sur ma gauche, là. Voilà, on va la mettre. Et puis ici, il y en a une autre, là, qui est aussi belle que celle-ci, aussi haute. Comme quoi, les voies du Christ, hein, sont quand même vers le ciel. Mon chemin continue par cette route. Je vais avoir certainement une journée assez goudronneuse parce que Saint-Gall c'est une grande ville, mais on va pas trop se plaindre. Alors à tout à l'heure. Bonne journée à vous. Le temps se réchauffe gentiment. Maintenant c'est le ciel bleu qui arrive. On est dans les Hauts de Saint-Gall, il y a encore des îlots de verdure assez importants, c'est vraiment très très joli. Et puis ce petit étang qui a été aménagé. Alors évidemment la ville avance rapidement, mais il y a encore des fermes, une ferme avec ce séchoir je suppose, ou je ne sais pas quoi, mais qui est assez impressionnant. La chaleur s'installe peu à peu, ça fait du bien. Mais alors aujourd'hui, c'est les descentes. Ça, j'arrête pas d'en faire. D'ailleurs, ça me pose plus de problèmes que les montées parce qu'en fait, ça fait mal au bout des chaussures au bout d'un moment. Et ça fait quelques kilomètres là que régulièrement, il y a des descentes comme ça. Donc, je pense que ça va s'arrêter. Mais autant hier, j'étais un peu fatigué de monter. Là, je commence à être fatigué de descendre. Bon, je suis censé être sur le chemin de Compostelle. Et bien sûr, il y a des tentations. Et la grande tentation, elle est là. Voilà. Tous les kilomètres, j'en ai une qui vient de narguer pour me dire, si tu veux avancer un peu plus vite, il y a possibilité. Eh bien, je résiste. Il n'y a pas trop le choix, ça va pas passer à droite à gauche, donc il faut passer dessous. Alors aujourd'hui, c'est Minou qui mange avec moi. Voilà. Hier, c'était un chien, aujourd'hui, c'est Minou. Comment tu t'appelles, Minou? Oui, t'es beau. Bien, oui. Ouais, t'aimerais bien savoir ce qu'il y a à manger, hein. Voilà, on est dans l'Appenzell un peu plus en profondeur. C'est vraiment très joli, surtout à cette époque.
C'est très vallonné aussi, c'est pas évident, ça monte pas mal, ça descend pas mal, c'est vraiment très très montagneux en fait, et très très joli, très vert, incroyablement vert. Et qu'à voir un petit peu le paysage là, c'est absolument délirant. Au loin les nuages, normalement ils annoncent un peu de pluie d'ici deux jours. Bon, on verra bien, on va se crocher là-dessus. Et puis le petit chemin qui continue. Waouh! Ah, ça dégage ici, hein! Bon, après pas mal de montées, je suis en pleine forêt maintenant. Et puis je pense que je vais trouver sûrement un petit coin pour me loger. Ça y ressemble en tout cas. Faut juste que ça soit plat. C'est pas gagné. Il y a pas mal de dévers, de droite, de gauche, mais je devrais trouver une orée ou quelque chose pour pouvoir me poser. Voilà, je vous reprends une fois que c'est fait. Bon, on a trouvé l'endroit pour dormir. Ça va le faire ici. Je vous montre un peu le paysage. Voilà, le chemin passe en bas. Ouais, dans deux heures, ça commencera à se couvrir. Et puis on pourra tranquillement se mettre à l'abri. En attendant, on va se faire à manger. Voilà, c'est de la goulash soupe. Elle est en train de chauffer gentiment. Les amis, ça sera la seule vidéo de la journée. Elle va être sous la toile de tente parce qu'en fait il pleut. Je suis au camping à Schönengrund. C'est un petit village où il y a d'excellents restaurants, je peux vous dire, pas trop cher en plus. Et puis je vais dormir ici, puis demain, suivant la pluie avec le vent, je reste là. La pluie sans le vent, ça me gêne pas d'y aller. Voilà. Alors très bonne journée à vous et puis à demain.